Bonjour les amis, ici Amidou The Gamer du 76. On se retrouve sur Saint Seiya Awakening et je vous fais la vidéo de ce que je vous avais dit, de ce que vous pouvez obtenir dès le matin sur le jeu. Donc c'est parti. Alors on va déplacer un petit peu ça. Donc là, on fait tout récupérer. Donc déjà, vous voyez. On a déjà tout ça, supprimé. Ensuite, on va voir les copains. Ah, donc ça, je ne peux pas. Amis récents. Donc ça, ça a dépassé, c'est trop. Alors, on accepte. Parce que plus vous allez avoir d'amis dans votre liste d'amis, plus vous allez avoir souvent des récompenses. Donne 3 forces. Hop, on récupère ça. Vous allez voir, ça va extrêmement rapidement. Donc là, événement. Récupérer des ressources. Donc là, on peut récupérer ça. Et on peut récupérer le double avec un diamant. Donc, c'est pas... Voilà. On a encore un message. Je suis désolé. Voilà. On a récupéré 190 diamants et tout ça. Donc, vous voyez, de l'XP cosmique, jetons. Donc, désolé pour le message qui a pop, mais bon, je joue à plusieurs jeux différents. Donc là, automatiquement, excusez-moi, je suis un petit peu pris de la gorge. On va faire notre petit vœu. Voilà. Donc là, c'est le 8e souhait. Donc déjà, ça fait 8 jours que je joue quand même au jeu. Là, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'aller dans le magasin. Vous avez ce pack-là, pack de gemmes avancées que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo. À chaque fois que vous avez 1000 gemmes, vous achetez ça. Et ça vous fait automatiquement 11 gemmes avancées d'invocation au lieu de 10. Puisque si vous faites 10 fois 100, ça vous fait 1000. Donc là, vous êtes quand même gagnant de 1 supplémentaire. Donc voilà. On va prendre le pack d'éveil. Voilà. Ensuite, vous avez ça. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est d'aller dans activité. Améliorer. Un chevalier une fois. Donc par exemple on a hop, c'est tout, le défi il est fait. Voilà, ensuite améliorer le cosmos une fois. Donc le cosmos, on va aller en prendre un autre. Donc par exemple on a celui-là qui a amélioration voilà. Donc là, terminez la dimension une fois. Donc là, vous faites un étage avant, par exemple. Voilà, peu importe, vous en fichez. Vous faites un ancien. Ça sert à rien de vous fatiguer à faire un beaucoup plus compliqué. Vous faites ça. Vous lancez le combat. Bien sûr, on laisse en automatique. On va pas se fatiguer. Hein. On va laisser les mobs faire leur travail. Donc en plus, j'ai mis vitesse x3. Donc ça devrait aller super vite. Voilà. Combat terminé. Voilà. Ah, en plus, on a la vaso des enfers. On le fait. Oui. Allez, comme ça, ça va nous donner un bonus. Donc la vaso des enfers, ça vous permet de récupérer énormément de récompenses. Donc quand vous en avez un qui pop, ça vous prend quand même 30 de comment ça s'appelle, d'endurance, mais au moins vous allez avoir pas mal de récompenses.
Voilà, terminé. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Ah, pierre d'éveil, de l'XP, des pierres d'éveil 2, pierre d'éveil 1 et pierre de 7e sens. Donc voilà, c'est quand même pas mal. On va quitter, bien sûr. On continue. Terminer le titan une fois. Donc le titan va faire celui d'avant, bien sûr. Surtout, vous fatiguez pas à faire les... Comment ça s'appelle? Les trucs qui sont récents. Faites surtout les anciens, ça va beaucoup plus vite. Puisque c'est nécessaire de le faire au moins une fois dans la journée. Donc là, vous avez vu, j'ai fait l'achat d'acquisition de 1000 gemmes. Enfin, pas l'acquisition de 1000 gemmes, mais j'ai dépensé 1000 gemmes pour acheter le pack. Maintenant, on va voir combien de gemmes qu'on va gagner en faisant le farm des activités matinales. Par contre, là, le jeu fait n'importe quoi par contre, là. C'est normalement, elle est censée, Marine, elle est censée soigner. Voilà, là, c'est elle soigne. Mais ça n'a pas empêché que... J'ai quand même perdu le phénix, parce que ça, c'est son plus gros défaut. C'est comme s'il se sacrifiait à chaque fois. Voilà. On peut sortir. On n'a pas besoin d'attendre. On retourne là. On continue. Terminer les ruines. Ruines, on va faire le 4, par exemple. Donc ça, c'est pour l'XP, ça. Donc, bien sûr, quand vous débutez dans le jeu, je vous recommande fortement, de dépenser votre endurance d'abord pour monter de niveau. Votre niveau général et le niveau de vos persos. Et ensuite, quand vous allez avoir des persos assez intéressants et sérieux, là, je vous conseille quand même de farmer pour les pierres d'éveil. Là, franchement, mes persos sont pas bien configurés. Donc là, j'ai trouvé des sites pour les builds et tout ça. Donc je crois que je vais faire ça cet après-midi un petit peu. Hein, pour qu'on sera bien les builds sur mes persos. Voilà, fragment de l'XP. Donc vous avez beaucoup d'XP quand même en farm. Amitié. Et voilà ce qu'on a récupéré aussi. Quitter. Vous allez voir, ça monte très, 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 très vite. Vous allez voir. Récompense du jour, ça nous intéresse pas tant que c'est pas gratuit. Donc des fois le jeu vous force un petit peu à acheter des machins, mais vous n'êtes pas obligé. Reprendre les épreuves d'Athéna une fois. Donc on va y aller. Commencer le défi. Voilà. Donc ça, au fur et à mesure que vous allez faire les épreuves d'Athéna, ça commence à devenir un petit peu difficile. Alors, je sais pas qu'est-ce que le grand pop vient foutre ici. Chacun. Et je pense que je vais prendre Canon pour remplacer Shep. Même si j'avoue, c'est un bon petit finisher quand même. J'avoue vraiment, quand vous arrivez à vider la barre ennemie de vos ennemis et tout ça, c'est un bon petit finisher.
Mais là, pour l'instant, mon Félix, il prend pas de dégâts. Donc, quand vous avez vraiment une équipe solide, vous n'êtes pas obligé de vous faire chier à... Il prend pas de dégâts. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous faire chier à faire les combats. Hein. Vous laissez faire le CPU. Ouais, soigne. Normalement, c'est Marine qu'il faut focus en premier. Hein, puisque c'est elle qui régène. C'est elle qu'il faut focus en premier en général. Voilà, terminé. Il y a un combat à gauche et un combat à droite qu'il faut faire. On se fait à chaque fois. Et ce n'est pas les mêmes persos que vous utilisez. Donc c'est pour ça qu'il vous faut, pour faire le Athéna. Tiens, par contre, je vais faire le Blitz. Et une tentative. Voilà. Ensuite, donner 5 cœurs. Donc ça, je fais ça là. Je donne des cœurs. 19 cœurs récupérés. Voilà. Et acheter de l'or. Voilà. Et là, on a débloqué toutes les récompenses. Donc on récupère. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour les premières récompenses. Ensuite, après, le tir d'entraînement qu'il faut augmenter, bien sûr. Première récompense là, bien sûr. Là, il n'y a rien à récupérer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a des trucs à faire? Bon, cimetière des armures, ça, on le fera plus tard parce que c'est un petit peu long. Le petit trésor mystique. C'est le mini-jeu avec les passes, un petit peu comme la fête foraine, en fait. Voilà, on récupère toujours les diamants en premier. L'or après. Voilà, on va essayer de récupérer la pièce de puzzle. C'est un éclat d'un perso. Voilà. Je pense pas qu'on aura le temps de récupérer le diamant. On va essayer. Et ça m'étonnerait fort. Non, on n'aura pas le temps. Terminé. Donc on a récupéré 15. On a encore un deuxième tour à faire. Alors s'il y a une caisse, il faut essayer de choper la caisse. Voilà, on a raté complètement notre coup. Fatiguer, essayer de choper le diamant là-bas, essayer de choper la pièce de puzzle. Voilà, je pense pas qu'on va y arriver à la récupérer. Oh, c'est une extremis. In extremis. Voilà. On va aller chercher le succès. Voilà. Là, on va essayer de récupérer les trésors du grand pop.
Et voilà la dernière. Voilà. Donc en sachant que là, comme vous voyez, on est arrivé, bon, au tout début, on avait 100 et quelques d'endurance, vu que j'utilise le buff. Donc en fait, on récupère le double des récompenses. Donc vous voyez, ça descend très très vite. Ça, on n'en a pas besoin. Événement. C'est lié avec des amis. Voilà. Voilà. Ensuite, on a un autre prix. On va monter le terrain d'entraînement. Ah, multiplicateur. Tac, tac, tac. Là, on n'a rien à faire. Là, tout ça, le cimetière des armures, la tour des 108 spectres, tout ça, c'est des trucs qui sont longs à faire. Je préfère pas les faire dans la vidéo. Le magasin, il y a des articles peut-être qu'on n'a pas acheté. Pack de gemmes communes, ça c'est bon. Légion, ça, pas besoin. En honneur, j'achète toujours les éclats de Seiya, hein, de la flèche d'or, tous les jours. Donc, pour essayer d'avoir au moins les... Je crois qu'il en faut 120, je crois, un truc comme ça. Ça, je n'en ai pas besoin. Ça, il n'y a pas besoin. On va garder pour le prochain. Le cosmos, je vous conseille d'acheter tout ce qui est truc comme ça. Lors de l'attaque réduit, l'attaque cosmique et l'attaque physique de la cible de 10% pendant 2 manches. Donc ça, il faut les acheter, ces trucs-là. Et... voilà. Ça, c'est, j'achète toujours ces deux-là. En fait, toujours. Bon, les cœurs, j'en ai 204, on n'en a pas besoin. Les packs, on a des packs, mais... c'est pas très intéressant. Voilà. Donc là, comme vous voyez, ça, ça s'est enlevé. Après, je peux rafraîchir si je veux... ici, avec 20 diamants pour re-racheter ce qu'il y a là. Voilà. Et à chaque fois que vous allez rafraîchir avant la journée, bah ça va vous coûter de plus en plus cher. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans l'inventaire, on va ouvrir tous les coffres. Donc, éclat de masque de mort. Ça, c'est intéressant. Voilà. Voilà. On va aller faire notre petite prière. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pas encore fini. On a encore la Légion. Donc là, terminé, terminé. Tout récupéré. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. On relance, bien sûr. On en a pour 12 heures. Voilà, donc d'ici 9h ce soir, je pourrai récupérer les récompenses. Assistance de la Légion. Donc ça, c'est pour donner des éclats à des personnes. Donc je vais être quand même gentil parce que, étant donné que Shakari Ashiki, je l'ai déjà, donc je vais donner. Donc vous récupérez aussi des récompenses. Tac, tac. Non, c'est Assage Card. Même. Io de Scylla. Non, ça je vais pas donner. Io de Scylla, je sais pas si je l'ai déjà. Voilà. Alors tout d'abord, faites toujours les chevaliers normaux. Hein. Après, faites les chevaliers d'or. Moi vraiment, chacun, parce que vraiment je l'ai, donc j'en ai pas besoin. Je peux le donner vraiment. Voilà. Je pense que ça suffit. Et maintenant, c'est à mon tour de réclamer certaines choses. Comme vous voyez, donc là, 9. Donc, Seiya, on en est quand même à 46. Donc, on en est très, 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 très loin de le posséder. Donc, chaque jour, voilà, je demande à ma guilde, quoi, ma légion, de me donner ça. Donc, récompense, là, ici, on fait tourner la roue. Voilà ce qu'on gagne. Et normalement, il y a un deuxième tour. Voilà. Voilà, jeton de la Légion. Puis là, c'est bon, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui reste encore? Pack hebdomadaire. Voilà, ça, c'est le pack qu'on récupère toutes les semaines. Voilà, après ça, c'est bon.
Boutique de la Légion, normalement je pense que je peux rien acheter. C'est le patron, enfin c'est le chef qui décide. Non, pas assez d'autorisation. Voilà. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'il y a à faire. Ah, peut-être le PVP. Il y a peut-être le PVP qu'on n'a pas fait. Attaque de Légion. Voilà. Donc après, je pense qu'il nous reste le PVP qu'on n'a pas fait. Donc là, comme vous voyez, je peux acheter pour 30, 60, 90 et tout ça. Donc faut vraiment pas dépasser les 60. Moi, c'est très très rare que j'utilise plus de. Bon, en fait, déjà 30 plus 60, ça fait déjà 90. Donc après, c'est vraiment très très rare que je dépasse cela, quoi. Tentative. Je pense qu'il me reste le PVP, l'arène des chevaliers, donc le défi rapide. Donc ça faut les faire, ça aussi. Hein. C'est ce qui permet d'avoir des jetons de trucs. Là, je vais la perdre celle-là normalement. Ouais. Paramètres, est-ce que ça a été bien configuré? Non, c'est bon. Gagné. Il reste encore une tentative. Ah, non, on n'a plus de tentative. Donc voilà. Ensuite, on va chercher les récompenses. Voilà. Bon, là, on n'a pas eu de. On n'est pas monté en rang, donc c'est pas la peine. Ensuite, le tirage d'entraînement. Donc on a 8 défis. Là, aucun adversaire, donc on va rafraîchir. Voilà, donc là on en a fait 6 et quelques. Cible hebdomadaire, tout récupéré. Voilà. Et ensuite, ce qui nous reste, je sais plus, j'avais vu tout à l'heure. Là, récupéré. Voilà. Vous voyez. Et là, 3 invocations normales. Donc vous voyez, on a 33 normales, 12 d'invocation spéciale, récupérées et récupérées là. Voilà. Donc vous voyez, les diamants montent très très vite. On est déjà à 249 de diamants. On a encore des coffres à ouvrir. Des éclats de chevalier, Milo, Aphrodite. Ça monte très 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 vite. Tout ça, ça on a fait. Il y a peut-être quelque chose que j'ai peut-être oublié. La campagne, non, on n'a rien. Du jour,
Trésor du peuple, on n'a rien. Tout ça, c'est des trucs que je ferai plus tard. Activité, on a tout fait. Voilà, ça c'est bon. Donc je pense que c'est bon. On a tout fait. Donc voilà tout ce qu'on récupère. Donc déjà, j'ai récupéré 254 de diamants. En sachant que j'ai pas tout fini. Donc là, j'ai 86. Je vais me permettre d'acheter pour 30, 60 de plus. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir farmer ce que j'ai à faire. Donc, soit l'XP. Donc, de préférence, que vous faites. Donc là, je fais un achat. En sachant que tout à l'heure, entre 11h30 et 14h30, j'aurai 60 d'endurance. Plus l'après-midi, entre 17h30 et, je crois, 20h30 ou 19h30. Vous avez aussi 60 d'endurance. Donc, ça que je pourrais utiliser. Donc, je vous conseille de faire soit farmer de l'XP, soit farmer de l'éveil. Donc, moi, je vais un petit peu farmer de l'éveil. Puisque comme j'ai eu mes persos de rang S, il faudrait quand même que j'arrive à débloquer leur 7e sens. Donc, comme vous pouvez voir. Donc, chacun, je suis pas loin. Chacun, je suis pas loin de débloquer son dernier 7e sens. Donc, vous voyez, il ne manque plus qu'un truc. Donc là, si je veux, je peux le convertir. Et voilà. Et ça y est, j'ai le 7e sens de Shaka. Donc voilà. Donc pour celui-là, c'est fait. Là, il manque encore à faire. Alors celui-là, je crois que c'est fait. Il est fait. Donc en fait, c'est Mu qu'il me faudrait. Ouais, c'est mieux qu'il me faudrait pour débloquer tous ces 7e sens, quoi. Et je crois qu'il y a sa canon. Canon aussi, il faut que je le fasse. Donc vous avez vu, j'ai quand même pas mal de choses à faire pour vraiment débloquer, mais je pense que je vais faire d'abord Mu. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait à faire. Puisqu'on a débloqué une récompense, puisqu'en fait, on a l'entraînement aussi de Shaka Ariashiki qui nous débloque tout ça. Donc, on a jusqu'au 20 pour terminer tous ces trucs-là. Voilà. Donc, voilà. Et bon, donc voilà, j'ai perdu un petit peu 30. Mais vous voyez que facilement, vous pouvez gagner énormément de récompenses. Et là, comme vous avez vu, c'est que du farm. Voilà. C'est que du farm et j'ai pas encore fini et tout ça. Donc, je vais vous laisser sur cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et un like. N'hésitez pas aussi à essayer ce jeu qui est vraiment superbe. Hein, surtout si vous êtes un ancien fan comme moi. Enfin, un ancien fan, mais vraiment du manga et tout ça. Et bah, de pouvoir profiter ce jeu-là en sachant que vous n'avez pas obligation de dépenser le moindre centime pour avancer dans le jeu. Sauf ceux qui veulent faire du pay to fast. Mais bon, après c'est un petit peu dommage parce qu'il faut vraiment avoir le plaisir d'avoir débloqué. Bon, par contre pour poules, là les poules par contre, vous savez très bien que les poules c'est vraiment du hasard. Ça se fait pas comme ça. Donc voilà. Je vous laisse, je vous dis bonne journée, bon début de semaine puisqu'on est lundi et amusez-vous bien et à bientôt sur la chaîne. Ciao !